Le sida est un fléau planétaire. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de sérologie de 2,8%, un chiffre peut-être encourageant mais toujours inquiétant. Et justement, dans la vague de sensibilisation et de prévention, une série a vu le jour, une série itinérante. MTV Shuga Babi, on en parle ce soir puisqu'on reçoit notamment quelques visages, quelques figures de proue de cette série. En deuxième partie d'émission, on recevra Pat Sako, l'un des visages les plus connus du Zouglou, l'une des références d'ailleurs. En tout cas, quand on parle de texte écrit et bien écrit du Zouglou, il est d'abord et avant tout la référence. Il nous gratifiera d'ailleurs de son talent sur la scène de la télé d'ici, deux prestations coup sur coup. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Côte d'Ivoire, tous les soirs de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, en premier tableau, on parlera évidemment de la série MTV Shuga. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir la marketing manager Paola André Ndeng. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes toutes rayonnantes, vous nous Merci. Direz pourquoi. Pas de problème, avec plaisir. Alors, à vos côtés, on a aussi France Nancy, c'est cela? Oui. À France, Nancy, d'accord, oui. Ça va, ça bienvenue. Va très bien, merci. D'accord, et puis Benseyan Kolé, je prononce bien ou pas? Oui, c'est ça. Benseyan. Ça va, bonsoir. Ça veut dire quoi, Benseyan? Bah, c'est le nom du meilleur ami de mon papa, un ancien footballeur. D'accord. Il a apprécié le nom, donc il me l'a donné. Il a apprécié que le nom ou c'était vraiment, il aimait vraiment la compagnie de son ami? Que le nom. Que le nom. D'accord, bienvenue. Avec vous, on va parler justement de cette série. Merci. Comprendre un peu les contours, les enjeux, mais surtout l'essence même d'ailleurs de ce projet. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ça va? Très bien. Aux portes du week-end, tout va bien? Plutôt zen? Ouais, c'est assez relax. On va faire une bonne émission et puis après on va se reposer le farniente, week-end. Farniente, comme d'hab. Ouais, farniente, mais on sera content de se retrouver lundi, bien sûr. Parfait, d'accord. Ça va, princesse? Très bien, merci, Sheik. Paola, c'est quoi MTV Shuga Babi, pour ceux qui ne le sauraient pas? Alors, MTV Shuga Babi, c'est une campagne qui a démarré il y a 10 ans, au Kenya. La formule est simple, on fait une série qui est à la fois divertissante, mais aussi très instructive sur les questions liées au VIH chez les jeunes entre 15 et 24 ans. D'accord. Et donc, on raconte leurs histoires, ce qu'ils vivent au quotidien, et à l'intérieur, on glisse quelques messages de sensibilisation. Et donc, ça commence par la télé, mais ensuite, c'est la radio, c'est sur Internet, et également, on a des visites sur le terrain, dans les écoles, etc., pour sensibiliser sur la santé sexuelle. Pourquoi l'axe du divertissement? Ça passe mieux comme ça? Ça passe beaucoup mieux sur une cible jeune, notamment entre 15 et 24 ans, si on vient avec une campagne, j'allais dire, institutionnelle. D'accord. Les jeunes vont s'en détourner très rapidement. Donc, ce qu'on a observé sur le Kenya, parce qu'on est parti au Nigeria et en Afrique du Sud après, c'est que ça marche beaucoup mieux quand ce sont des personnages qui ressemblent à la cible, quand ce sont des personnes qui vivent ces mêmes situations. Et d'ailleurs, la manière dont on écrit les scripts des séries part d'abord de la cible. On les rencontre, on discute avec eux, on essaie de voir un peu quels sont les sujets qui leur parlent, et c'est ça qui sert de base, en fait, pour écrire la série. D'accord. On en est à laquelle édition ou la quelle saison, si alors, sur la Côte d'Ivoire, c'est la première. C'est la première fois qu'on vient en Afrique francophone. Donc, on a commencé par la Côte d'Ivoire. Mais avant, on a fait deux saisons au Kenya. On en a fait quatre au Nigeria et deux en Afrique du Sud. Vous arrivez à mesurer le retour? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a des partenaires qui nous aident, justement. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on travaille avec la ligne InfoSida. C'est-à-dire que chaque personne qui regarde la série est capable, après, d'appeler la ligne s'il y a une situation similaire qui leur est arrivée, ont besoin de renseignements. Et donc, nous, derrière, on va voir après la ligne InfoSida pour savoir quelles sont les personnes qui appellent. D'accord. Et notamment sur la Côte d'Ivoire, on est très contents pour les deux premiers mois, puisqu'on a autant de filles que de garçons qui ont appelé. Et la majorité était entre 15 et 24 ans. Donc, très bien. Je pense que la mission marche. Au niveau de la rédaction de la télédition, on a préparé juste une petite vidéo de 30 secondes pour un peu voir à quoi ressemble cette série. On la regarde et on revient juste derrière. D'accord. Bienvenue sur un nouvel épisode de mon vlog Danse la vie. Sachez qu'ici, j'exige le professionnalisme de tout le monde. Mon
Mathéo, fais un vœu au vin. Mais c'est quoi ton problème? T'es vraiment qu'une sale menteuse, Ashley. T'es qui, toi? Je suis votre professeur. Quoi? Alors, on a donc là un aperçu de ce à quoi ressemble cette série. Comment se choisissent les acteurs, notamment? Alors, on a deux canaux. On a d'abord fait un casting avec la société de production. On a présélectionné des acteurs qu'on a rencontrés. Mmh. Et de l'autre côté aussi, on a fait un grand casting public, cette fois-ci, qui était ouvert à tout le monde. Et ça nous a permis d'ailleurs de repérer trois des acteurs qui sont devenus des acteurs principaux de la série. Donc d'accord. On a une approche, j'allais dire, un peu plus privée, où on va voir des acteurs qu'on connaît déjà ou avec qui on aimerait travailler. Et d'autres, voilà, on veut aussi donner leur chance à des nouveaux talents. Donc c'est aussi un peu un début de la campagne. Est-ce qu'il y a un principe d'acteur studio derrière? Est-ce qu'il y a une petite formation pour mieux camper de personnages ou... Oui, il y a quand même pas mal de sessions de travail à ce niveau-là. Aussi permettre aux acteurs de prendre vraiment beaucoup plus de, j'allais dire, comprendre leurs personnages, parce qu'il y a un côté divertissant, mais encore une fois, il y a un message. Donc c'est important aussi pour nous de leur expliquer un peu, en fait, les enjeux autour. D'accord. Et après, je pense qu'après, ils seront peut-être plus habilités que moi à dire comment ils l'ont vécu. Absolument. Alors, France Nancy et Ben Seyan, vous jouez tous les deux des rôles principaux dans la série, celui de Ashley, pour vous, et celui de Tony Cara. Alors, on a deux petites vidéos qui présentent un peu vos rôles dans la série. On va regarder et on revient tout de suite après pour en parler. On dit que tous les rêves peuvent se réaliser sur cette terre d'hospitalité. L'Institut d'Oahu représente une chance inouïe pour moi. Mon but, c'est d'arriver à m'imposer sur la scène de danse. J'ai appris à aimer tout ce que je suis. Et j'espère que si les autres découvrent qui je suis, ils sauront m'aimer également. Hey, moi c'est Ashley. Et la danse, c'est toute ma vie. Et le vlogging aussi. Avec mes 200 000 followers sur Insta, on peut dire que ça me réussit plutôt bien. Je suis une fille très à cheval sur les principes et j'ai horreur de la trahison. Sérieusement. Les garçons, je pense ne pas avoir trop de chance avec eux. Mais bon, on va voir si cette année ça change un peu. Allez, je vous fais plein de bisous, on se retrouve plus tard. Pierre, alors. Alors, vous campez des rôles qui sont peut-être difficiles à jouer pour des jeunes gens. Comment ça s'est passé sur le tournage? Heureusement qu'on a été suivis et formés, parce que c'était pas vraiment évident de jouer une demoiselle qui se fait tromper, qui après sort un autre mec. Enfin, c'était pas assez évident, mais après, le côté qui était bien pour nous en tant que danseurs, c'était qu'il y avait de la danse là-dedans, qu'on faisait ce qu'on aimait. Donc du coup, il y avait cette étape d'apprendre et faire ce qu'on aime ensuite. La série rappelle beaucoup Fame des années 1980. Est-ce que ça a été inspiré aussi? Ça a été une des inspirations? Alors, pas vraiment, pour être honnête, parce que le choix de la musique et de la danse, en fait, vous savez, quand on va dans chaque pays, on essaie de voir qu'est-ce qui parle aux jeunes sur place. Et quand on est venu sur la Côte d'Ivoire et qu'on a rencontré tous ces jeunes, en fait, ce qui revenait beaucoup, c'était vraiment la musique et la danse. Donc on s'est dit, ce serait peut-être un bon canal pour démarrer. Ensuite, oui, en termes de, j'allais dire, de montage, d'histoire, un peu autour de la danse, oui, il y a quelques inspirations faites, on peut citer d'autres films, mais... je pense que l'idée, c'était surtout pour nous d'avoir quelque chose qui leur parle et dans lesquels ils arrivent à se reconnaître. Donc, on sait que le coupé décalé en Côte d'Ivoire, c'est un peu la musique phare et la culture phare. Donc, c'était important pour nous, voilà, de pouvoir promouvoir ça en même temps. Alors, justement, est-ce que vous vous sentiez proche de ces rôles que vous jouiez? Est-ce que vous ressemblez un peu à ces personnages qu'on voit dedans? Ou alors, c'est vraiment... Du fake. Un gros exercice d'acteur, j'aurais dit. Et est-ce que vous étiez acteur d'abord pour commencer? Je pense que... Oui, moi, personnellement, j'étais à mon troisième projet de cinématographe d'Afrique. Et oui, moi, je ressemble un peu à Ashley. Tu n'as pas de chance avec les mecs dans ta vie? Attends, j'ai dit un peu. J'ai dit un peu parce que le côté où elle est assez posée dans la tête, consciencieuse et très à cheval sur ses principes, ça, c'est moi dans la vraie vie. Mais le côté où elle passe très vite à autre chose, qu'elle bascule d'un mec à un autre,
C'est pas tellement moi, mais voilà, il y a... Tu sais que ton body language dit autre chose. Ah ouais, c'est juste parce que je suis allée sur la chaise et j'ai dit oui à ton visage. Voilà, donc un peu de ressemblance, oui. Bah, moi, je dirais que d'abord, c'est une très belle expérience qu'on nous a donnée de pouvoir jouer des trucs que nous n'avons pas vécu. Vous voyez, déjà de jouer des... Comment je vous dis ça? Des personnages qui n'ont rien à voir, au fait, avec nous, notre vie. Voilà. Et je dirais, au fait, moi aussi, ce truc, ce personnage me ressemble, juste un peu, parce que je suis quelqu'un de vraiment réticent. Je suis vraiment dans ma coquille à moi. Je suis pas, genre, à me faire voir un peu partout. Voilà. Et c'est actuellement sur le personnage qu'on m'a donné. La personne qui est vraiment... c'est d'être toujours en haut de ce qu'il fait, d'être premier dans tout ce qu'il entreprend et tout. Très perfectionniste. Voilà, c'est vraiment moi. Je sens tous faire me lancer des fleurs, voilà. Et après, bon, je suis ce qui arrive, quoi, pour la difficulté du personnage. Alors, tu as vraiment un personnage qui a un lourd rôle. Est-ce que maintenant, est-ce que je peux donner un spoiler? Non. Okay, bon. Tu as un très lourd rôle. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que maintenant tu peux te mettre à la place de ces personnes comme tu as joué ce rôle? Il faut regarder la série. Ouais, mais faut peut-être dire, ouais, il joue quel rôle? On a besoin de savoir. Non. Pour ça, je crois on parle. Oui. Alors on regarde. Mais en fait, on voudrait pas trop en dire pour laisser les gens. Il faut en dire. Hein, vous êtes sur le plateau de télé. Alors donc Ben Sehan, il joue le rôle de malade, c'est ça, ou qu'est-ce qu'il fait? En gros, voilà, il est séropositif dans la série. Ouais. Donc il a cette dure tâche à jouer. Est-ce que tu comprends mieux maintenant si, enfin, les gens qui ont cette maladie, est-ce que tu es un peu plus tolérant? Bien avant ça, j'étais déjà tolérant. Je comprenais déjà les autres. Et la merveilleuse chose qui m'est arrivée, c'est qu'on m'a approprié ça, au fait. Quelqu'un d'autre dira, au fait, que ah, c'est vraiment difficile de jouer. Pourquoi je vais jouer quelqu'un qui est séropositif, vous voyez? Demain, ils vont m'aider, si ils vont me dire, ah, mais peut-être le mec, il a ça, au fait. Mais moi, je trouve que ça m'a permis de... Comment je vais vous dire ça? De bien jouer le rôle, de permettre à ces personnes-là qui sont indécis, qui sont stigmatisées, vous voyez, de pouvoir voir la positivité que mon personnage a rendue à la fin de tout ça, au fait. Et puis se sentir à l'aise dans la société, au fait, dans la vraie vie, au fait. Ton rôle a, en quelque sorte, donné un coup de pouce à ces gens. Okay. Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris justement sur le virus que vous ne saviez pas avant, à travers la série? Oui, beaucoup de choses. Beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris? Oui, déjà... je ne savais pas qu'il y avait toute une équipe, qu'il y avait un réseau qui s'occupait de ces personnes malades et qu'il y avait tout un soutien derrière. Pour moi, tu fais ton test, tu es séropositif, c'est tout, quoi. Alors qu'il y a toute une organisation derrière, qu'il y a... Enfin, voilà, tout ça. Je ne savais vraiment rien de tout ça et on a été coachés par rapport à tout ça. On a reçu des sessions, comme elle disait. Enfin, on a beaucoup appris en faisant MTV Sugar. Et donc, vous partez en campagne en tant qu'ambassadeur, tous, après? Oui, on va avoir des visites sur le terrain, donc aller justement plus près de la cible. Et notamment, on sera accompagné par pas mal d'acteurs, pas toujours les mêmes à chaque fois, mais pouvoir faire en sorte qu'ils discutent directement aussi avec le public. Et on aura aussi des pères éducateurs, donc des personnes dont c'est le métier de pouvoir sensibiliser les jeunes en particulier. Donc, ils pourront répondre aux questions par rapport à ce qu'ils auront vu dans la série. Donc, c'est prévu, effectivement, surtout l'étendue du territoire ivoirien. Alors justement, quand on parle dans cette série de VIH-SIDA, ça implique de devoir parler des modes de transmission et tout de devoir le traduire à l'écran. Donc on va très vite se retrouver sur des scènes de relations sexuelles. Est-ce que c'est difficile à cet âge-là de se retrouver devant la caméra et de donner une part de son intimité, même si ça reste du jeu? Est-ce que ça a été compliqué? J'ai l'impression que non pour elle, hein, parce qu'elle est toute souriante. Elle était très enchantée à l'idée de le faire. Elle tombe sur sa chaise, donc elle nous dit non, en fait. Pas vraiment, non. C'était pas évident du tout. Mais après, c'est un métier que j'ai choisi d'être actrice et de pouvoir entrer dans tous les personnages choisis. Et effectivement, c'était dur. En vrai, c'était dur.
de voir qu'il y a tout un monde derrière la caméra, qu'il faut enlever ceci, qu'il faut enlever cela, qu'il faut faire des bisous. Et quand on t'a dit couper, tu dois encore refaire des bisous avec la même intensité, se toucher. Bah bon. Et tes parents, et vos parents? Mes parents. Est-ce qu'ils ont vu la série? Je ne suis pas très sûre. Les parents n'ont pas encore vu, hein, non? Mes parents étaient là à l'avant-première. Et le premier épisode, tu tombes direct là-dessus. Et j'ai fait genre, purée, les gars, mes parents sont là. Mais après, ils étaient là, c'est bien, bravo, en gros, bravo. Mais pas bravo pour ça, mais bravo parce que on sent que tu as fait beaucoup d'efforts. Et voilà. Vas-y. Non, mais c'est vraiment une série très intéressante que moi, j'ai commencé. J'ai regardé d'autres saisons, notamment en Afrique du Sud. Mm-hmm. Alors, pourquoi on fait le choix de venir en Côte d'Ivoire comme premier pays francophone? Alors, pour deux raisons. D'abord, je pense que ça a été évoqué en début d'émission, les chiffres. C'est vrai qu'ils sont dans l'ensemble. Hein. Si on se base sur les chiffres fournis par ONU-SIDA en 2018, on est quand même dans une certaine baisse. Mais en fait, ce qui se passe avec les campagnes de sensibilisation, notamment chez les jeunes, c'est que tant qu'il y a, on va dire, un matraquage sur la sensibilisation, les gens font attention. Dès que ça baisse, dès qu'on en parle moins, en fait, il y a un relâchement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, en fait, si on voulait commencer par l'Afrique francophone, il faut quand même le dire, Abidjan est un peu incontournable sur le sujet. Donc, ce qui marche à Abidjan marche en général un peu dans la sous-région. Donc, parce que derrière la Côte d'Ivoire, les deux autres pays qui sont, j'allais dire, secondaires dans notre campagne, c'est le Mali et le Sénégal. Notamment, on va avoir justement un personnage issu d'un de ces deux pays-là. C'est justement pour avoir une vision un peu plus panafricaine. Mais voilà, la porte d'entrée qui nous semblait, la plus pertinente, c'était clairement la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors justement, pour revenir sur les pays anglophones, au Kenya, la série a été controversée parce que perçue par les seniors comme quelque chose d'un peu léger. Est-ce que vous avez commencé la diffusion ici? Est-ce que vous avez les mêmes retours ou est-ce que la population ivoirienne est beaucoup plus ouverte à ce genre de... Alors, je dirais qu'on a d'excellents retours pour le moment. Hein. Vraiment, c'est même au-delà de nos espérances, très honnêtement. Après, on essaie d'approcher MTV Shuga comme un projet, j'allais dire, national. C'est-à-dire qu'on vient avec une formule, mais on l'adapte à chaque pays. Et on fait énormément de travail de préparation en amont. C'est-à-dire que ce qu'on diffusera au Nigeria, ce n'est pas nécessairement ce qu'on diffusera ici. Mmh. Pareil, en Afrique du Sud, il y a des scènes où il y a des personnages qu'on n'est pas prêt, à mon avis, d'amener en Côte d'Ivoire pour le moment. Parce qu'on sait que le public va être un peu peut-être réticent. Mmh. On n'a aucun intérêt à aller à l'encontre du public auquel on veut parler. Mmh. Donc, pour le moment, non, les gens sont très, très réceptifs et surtout comme retour sur les histoires qu'on raconte, parce qu'il y a la question du VIH, bien sûr, mais il y a d'autres sujets qui sont abordés. Par exemple, les rapports entre des hommes plus âgés, ou notamment entre les professeurs et des élèves. Mm-hmm. Voilà, c'est une des histoires principales. Les gens se reconnaissent beaucoup dedans, et c'est surtout les retours qu'on a. Donc, on est très contents. Et comme on démarre la saison 2, on va essayer d'aller un peu plus loin. Voilà. Alors, justement, vous en parliez, il y a d'autres sujets qui sont abordés. Il y a la pauvreté, on le voit notamment avec un des personnages. Se fait presque dégager de chez elle sur le premier ou deuxième épisode. Tout à fait, le deuxième. Et les relations avec les professeurs. Et alors, est-ce que vous avez vous aviez des chiffres de ces cas-là sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ça qui vous a mené à les intégrer en fait dans la série? Alors oui, on a travaillé avec, parce qu'il y a plusieurs équipes, bien sûr, en amont de la préparation des séries, et notamment on travaille avec des équipes qui sont vraiment locales, des organisations, des structures sociales. Donc elles seront à mon avis plus à même vous donner des chiffres exacts, mais ce qui est sûr, c'est qu'on part toujours de ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment l'essentiel même de la série. Donc on discute avec ces professionnels de la santé déjà pour voir quelles sont, j'allais dire, les tendances, ou en tout cas les cas qu'on observe le plus, et encore une fois les jeunes eux-mêmes nous remontent, c'est-à-dire que si on fait un panel avec des 15-24 ans et qu'on leur dit, tiens, quels sont les problèmes que vous rencontrez à l'école ou qu'est-ce que vous observez, effectivement, ces sujets-là remontent très souvent. Et quand on voit, au bout de 2-3 rencontres avec des jeunes, qu'on a quand même un sujet qui devient quand même très persistant, pour nous, voilà, ça demande à ce qu'on s'y intéresse et qu'on creuse un peu plus pour en parler dans la série, effectivement. Alors justement, Princesse parlait des campagnes de sensibilisation. Mm-hmm. Comment elles sont organisées? Alors, nos campagnes, il faut savoir qu'on est financé par un organisme international qui s'appelle United. Et on commence donc par une série télé, c'est notre, j'allais dire, produit phare, pour entrer un peu sur le terrain. Ensuite, on a la radio. Donc ça, ce sera l'étape je d'après. Des, oui, la campagne. Peut-être des déplacements terrain. J'y arrivais. Et donc après la radio, on a justement les campagnes. Alors, on va aller dans chaque... On a désigné 10 villes
pour le moment, dont Abidjan, 3 communes d'Abidjan et puis à l'intérieur du pays. Ce qu'on fera, c'est des projections avec un ou deux acteurs présents et on sera accompagné encore une fois de formateurs. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de diffuser d'abord un ou deux épisodes, voir un peu les réactions que ça provoque. Et ensuite, il y a toute une discussion autour justement de la santé sexuelle chez les jeunes, pouvoir répondre à leurs questions, que ce soit ce qu'ils ont vu à l'écran ou même des questions, j'allais dire, personnelles. L'approche qu'on a, c'est vraiment une discussion informelle. Ce n'est pas un prof et des élèves. On veut vraiment que le dialogue soit libre. Donc, ce sera entre jeunes, entre guillemets. Mais par contre, voilà, on arrive à apporter des réponses. Si certains ont besoin d'un accompagnement, j'allais dire, plus spécifique, on sait vers qui les rediriger éventuellement dans notre réseau de partenaires. Donc, c'est un peu ça qui est prévu. Donc, on va faire une espèce de petite caravane d'ici un à deux mois dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi s'adresser aux jeunes de 15 à 24 ans? Est-ce la tranche critique, d'après vous? Oui, c'est une tranche critique. Et ensuite, ça tient aussi, j'allais dire, des origines de la campagne. Mm-hmm. On est associé à une chaîne qui s'appelle MTV, mm-hmm. et donc qui est une chaîne mondialement reconnue au niveau de la musique, donc une chaîne jeune. C'est cela. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment de continuer à parler à cette cible-là, mm-hmm. Mais en utilisant des codes qu'ils connaissent, dont la musique pour le coup. Mais c'est vrai que les 15-24 ans sont très exposés, les filles mm-hmm. notamment, parce qu'elles sont sous pression, notamment d'avoir des rapports sexuels, et de les avoir sans préservatif. Donc on essaye aussi, notamment à travers le personnage d'Esli, qui est voilà, une jeune femme très dynamique et très forte, etc., de justement dire aux jeunes femmes, vous avez le pouvoir de décider, il s'agit de votre santé aussi, et on espère, voilà, que le message va passer. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu et compris par ces jeunes, justement, puisque vous n'en êtes pas à la première saison? Mm-hmm. Jusque-là, s'il y a un bilan à faire, mm-hmm. vous diriez quoi? Ça a permis de faire bouger les lignes dans le bon sens ou pas? Alors, bien évidemment, là, ça fait que deux mois qu'on diffuse, donc on essaye d'être très pragmatique, mais mm-hmm. les retours qu'on a, c'est beaucoup de conversations, mm-hmm. Beaucoup de questionnements aussi. On reçoit beaucoup de questions puisque nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc on reçoit énormément de jeunes qui nous envoient des messages privés en nous posant des questions. Qu'est-ce que c'est que les antirétroviraux? J'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, donc nous, déjà, c'est une première victoire. D'accord. Pareil que les gens appellent la ligne InfoSida aussi pour poser des questions et qu'on ait 82% des appelants qui ont entre 15 et 24 ans. Donc c'est déjà une première victoire pour nous. On pourra, j'allais dire, faire le bilan à la fin de justement cette tournée de sensibilisation-là, qu'on jouera vraiment avec les équipes, qu'on aura vraiment discuté avec les jeunes sur le terrain. Là, je pense qu'on aura une vision peut-être plus globale. Est-ce que localement, vous bénéficiez notamment d'un soutien quelconque du ministère de la Santé? Oui, alors on a comme partenaire, on les remercie d'ailleurs, le PNLS, qui est le Programme National de Lutte contre le Sida. Contre le Sida, exactement. Donc, ils nous accompagnent. Ils nous ont vraiment suivis depuis le départ. Ils ont lu les scripts avec nous. Mm-hmm. S'assurent quand même que ce que l'on dit dans la série reflète, par exemple, le parcours des malades une fois qu'ils sont détectés. Ils nous aident aussi, effectivement, sur tout ce qui va concerner, par exemple, les lieux de tournage. Ils nous ont aidés à pouvoir tourner dans tel CHU, dans tel établissement de santé. Ils nous ont même parfois aidés à trouver des personnels pour apparaître dans la série. Donc, ils sont très, très impliqués. On les en remercie. D'accord. À Nancy et Ben Sehan, une question. Vous avez en face de vous vos amis, vos copains. Sur la base de l'expérience que vous tirez de cette production, quel est le message que vous leur transmettez sur le fléau du sida? Un message, pour moi, le plus important, en tant que jeune, c'est... D'accord, on est jeune, mais en fait, on peut profiter de la vie d'une autre manière, parce qu'on a une notion de... Je suis jeune, je peux faire tout ce que je veux, enfin, après, on verra avec tout ce qui est... Voilà. Alors que tu peux te dire, bon, d'accord, pour la plupart des jeunes, je me mets en couple, pour l'avancée de notre relation, je décide qu'on fasse ensemble le test de dépistage. Que tu sois en couple ou pas, c'est super important de connaître son statut pour pouvoir, après, savoir sur quel pied marcher. D'accord. C'est super important de connaître son statut. D'accord. Et après, savoir ce que tu décides de faire. Moi, je dirais que c'est bien vrai. Là, c'est entre nous, mais je vais vous dire. C'est bon de s'amuser, mais le plus important, c'est de se préserver et de se protéger. Hein. Parce que là, on est jeune. On cherche tous à réaliser nos rêves. Et dis-toi que si tu sors avec une personne qui te contamine et que juste à cause de ce petit truc-là, juste à cause parce que tu as refusé de faire le port de préservatif, tu as dégradé ta vie, au fait. Tu ne vas plus penser à arriver au sommet, au fait, de ta vie. Tu seras toujours derrière à dire, bon, aujourd'hui, j'ai le VIH. C'est fini, c'est impossible pour moi que je réalise mes rêves et tout. Donc, le plus important, protégeons-nous et cherchons plus à avoir notre statut sérologique. Et un dernier mot, si jamais tu l'as. Dernier mot, on n'a pas fini. Hein. Ok. Juste avant de continuer, même si tu l'as, c'est,
c'est pas la fin du monde comme... c'est vraiment pas la fin du monde. Mais on demande juste à ceux qui, pour qui c'est pas encore le cas, que c'est évitable. D'accord. J'ai une question. Personne n'a parlé d'abstinence. Pierre, allez-y. Alors, évidemment, ce sont des sujets qui sont difficiles, mais on essaie de le rendre, comme vous dites, à travers des médiums qui touchent les jeunes, la musique, la cohésion. Et on a justement cette belle scène qui a été filmée backstage d'une super chorégraphie que vous réalisez, qu'on va regarder. D'accord. Et on va en parler tout de suite après. Aussi de super danseurs. Alors, c'était comment l'ambiance sur le tournage, sur ces moments-là, comme ça, de cohésion Trop bien. Trop bien. Les moments où on devait danser devant la caméra, enfin, tu vois, sans jaillir, parce que c'est notre truc à nous, de danser. Voilà. Donc, c'était trop bien. Ah, vous êtes danseur à la base. Oui. Ouais. Mmh. Donc, c'était bien. Est-ce qu'il y aura des acteurs d'autres MTV, Sugar qui apparaîtront dans celui de... Vous allez échanger un peu... Oui, alors on en a déjà un, d'ailleurs que le public ivoirien connaît très bien. Christophe Arato m'a dit qu'il était supposé venir, le spoiler. Je ne dis rien. Par contre, on en a déjà un, qui est dans qui Angérique Guinessant, qui apparaît déjà dans MTV Shuga en Afrique du Sud. Et donc effectivement, dans tous les MTV Shuga, on a toujours un personnage qui est un peu une espèce de fil conducteur d'une saison à l'autre ou d'un pays à l'autre. Donc lui apparaît dans la saison sud-africaine comme un jeune Ivoirien qui est venu se former au basket en Afrique du Sud et ensuite décide de rentrer dans son pays d'origine, donc d'où Shuga Babi. Donc quand il apparaissait dans la saison sud-africaine, c'était déjà une manière d'annoncer la saison ivoirienne. Donc voilà. Alors on arrive à avoir une continuité, donc du coup un fil conducteur entre toutes ces saisons-là. Oui. Et justement la question, est-ce que les épisodes francophones seront traduits et peut-être accessibles à d'autres? Oui, on nous l'a beaucoup demandé puisque 80% quasiment de notre public est anglophone. Donc quand ils ont vu MTV Shuga Babi débarquer, on a été inondés de messages. Où sont les sous-titres? On nous harcèle littéralement. Mm. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la primeur, c'était quand même d'abord pour le public ivoirien et africain francophone. Ensuite, on va reposter la même série, mais cette fois-ci effectivement avec des sous-titres en anglais. On veut bien évidemment que tout le monde puisse comprendre. Mais c'est vrai qu'on avait quand même une priorité qui était, j'allais dire, le public francophone. Parce que ça fait quand même quasiment 10 ans qu'ils attendaient d'avoir leur propre édition. Donc voilà, on a pensé que c'était quand même bien de commencer d'abord par là. Mais il y aura une version, effectivement, il y aura même une version doublée en langue. Locale. Joula, voilà, notamment, d'accord. Voilà, de la série. On veut faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes derrière. Donc ça peut être en portugais après. Voilà, on va doubler dans le maximum de langues possibles. D'accord. Voilà. J'ai mal vu où il avait un chignon, Bentham, dans la série. Si, j'avais des cheveux. C'est le personnage qui l'exigeait ou... Oui, un tout petit peu quand même. Tony est un personnage assez c'est un artiste en tant que tel, donc effectivement, on a un peu de fantaisie. Et juste après la production, on a coupé les cheveux. C'est lui qui a décidé de couper, je crois. Non, on avait d'autres choses à faire, donc il fallait enlever les cheveux. Mais on a autre chose à faire, il y a la pub. On revient juste derrière. Excellente transition. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCIla, nouvelle chaîne ivoirienne. C'est du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. On est toujours en compagnie de la team de MTV Shuga Babi, mais on a été aussi entre-temps rejoint par l'artiste le plus prolifique, le plus prolixe, le plus inspiré certainement de l'histoire du Zouglou, et c'est peu de le dire. Patsako, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Merci, bonsoir. J'ai jamais compris pourquoi les artistes Zouglou ont toujours des lunettes fumées quand ils arrivent à la télé d'ici. Comme on dit, hein, la nuit a été longue. En Zouglou, ça réussit toujours. Hein. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est dur. Oui. On cherche, on ne voit pas. Oui. Mais on met les verres quand même. Mais on mettait les verres quand même. Voilà. Non, mais moi, je pense plutôt que bien d'artistes Zouglou ont toujours des veilles de nuit très relevées. Voilà, non, nous, on travaille la nuit. Voilà, vous ne bossez pas. Enfin, vous bossez la nuit. Quoi. Dans notre jargon, on dit on fait la nuit, on descend le matin. Vous descendez le matin, voilà, c'est ça. Donc, tout ce qui se fait en journée, c'est un peu compliqué pour nous. D'accord.
C'est pas facile. Voici Espoir 2000 en une minute. Devenu quoi, qui fait quoi dans la vie? Oh ma chérie, comme on le dit ce matin, on voit qui est beau. Hein? Voilà, on est avec Pat Sako du groupe Espoir 2000, un groupe qui a bâti d'ailleurs toute sa fortune sur la dénonciation des femmes. Pourquoi? Vous avez un problème avec les femmes? Bon, les gens nous taxent un peu de misogyne et tout. Je pense oui. que, comme on le dit, qui aime bien châtie bien. Oui. Et c'est parce qu'on aime la femme qu'on la chante. D'accord, mais sauf qu'il y a un châtiment à outrance, c'est ça qu'on comprend. Non, c'est pas... Enfin, je sais pas ce qu'elle en pense, Paola, mais bon. Non, c'est pas vraiment à outrance. On dit toujours, bon, après oui, mais... l'homme, c'est la femme. Oui. Il y a deux personnes là. Bon, c'est pas voleur, la vie, Paola. Le voleur ne dit jamais qu'il est voleur. Bon, il y a des femmes qui chantent les hommes. Oui. On a décidé de chanter les femmes. D'accord, que les voilà. femmes en fait, c'est ça qu'on ne comprend pas. Non, c'est juste pour des conseils. D'accord. Bon, il n'y a pas que ça sur les albums. Oui. C'est ce que les gens retiennent, mais il n'y a D'accord. pas que ça. Ok, mais voilà. ce qui a fait le succès par contre, de... Par oui. contre, il y a des chansons oui. où on magnifie la femme. D'accord. Ça, par contre, on en parle ça, on cherche. Hein. Bon, alors, moi, je sais qu'il y a 6 albums. Pour l'instant, on cherche encore les titres qui magnifient il y a la femme. Il y a Je t'aime, il y a Ingratitude, ouais. il y a Ingratitude de qui, des femmes? Ouais. Non, des hommes. D'accord, je t'aime, mais je sais qu'il y a un mais forcément dans les lyrics, quoi. Ouais. Ah oui, je t'aime, mais bon, tu as gâté, bon, tu as brisé mon cœur, mais... Donc, encore une fois, c'est la femme qui est clouée au pilori. Bon, c'est pas grave, écoutez, c'est l'ADN du groupe. On va faire avec, quoi, comme on dit et tout. Alors, Pat Sako, c'est 25... Enfin, Espoir 2000, c'est 25 ans de carrière, déjà. Ouais, 25 ans. Le groupe s'appelle Espoir 2000. Ouais. Il y a 25 ans, enfin, il y a combien d'années? Il y a 20 ans qu'on n'est plus en 2000. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un update à faire du nom? De toutes les façons, on n'atteindra pas 3000, hein. D'accord, ok. On peut déjà se contenter. On est sur le millénaire, alors, quand on dit Espoir 2000. Ouais, 2100 même, c'est pas sûr. On s'est donné ce nom-là parce que dès le départ, en 97, on avait cette vision-là de faire une musique pour éduquer, pour instruire. On a fait de ça notre cheval de bataille. Et puis, bon, je pense qu'après les années 2000, on vit tout ce qu'on a dit, quoi. D'accord. Alors, Pat Sako, c'est un peu l'intello du Zouglou, j'ai envie de dire. Hein. Et je pèse mes mots. C'est des textes parfaitement construits, bien écrits et tout. Ça sort d'où, en fait, cette particularité? Ben, ça sort d'où? Ben, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Hein. D'accord. Parce que c'est Dieu qui donne tout. Donc, nous, à notre niveau, avec les petites études qu'on a pu faire quand même, on essaie de produire ces textes-là pour quand même édifier voilà, tout notre entourage. Puis, d'accord. Je pense que ça vient de Dieu. Est-ce à dire que dans le Zouglou, bien d'artistes n'ont pas fait de longues études? Pas forcément, pas forcément. On ne dit pas que pour faire la musique, il faut aller à l'école. C'est vrai qu'il y a des écoles de musique, mais chacun dans son petit créneau essaie d'évoluer comme il peut. D'accord. 6 albums, on attend toujours alors. Le dernier album, il date de 2014, tout de même. Ça fait maintenant 6 ans. Ouais. L'album, il est prêt. Ouais. Seulement que mon binôme a des petits problèmes de santé. D'accord. Et on sort pas un album quand l'autre est à l'hôpital. Absolument. Donc, voilà, donc on attend un peu. Le temps que ça... Je profite pour dire qu'il se porte bien. D'accord. On a une pensée, évidemment, pour lui, bien sûr. Ouais. Et puis, ça sera pour très bientôt. D'accord. Est-ce qu'il y a des séquences Zouglou dans la série? Oui. Pardon. C'est l'émotion. L'émotion, oui, oui. Pourquoi? Non, parce que j'ai grandi avec la musique de Pat Sako, donc je suis heureuse d'être en face de lui. D'accord. Alors, ça, c'est un gros paradoxe, par contre. C'est une femme qui a grandi avec la musique de Pat Sako, une musique où... Non, mais on a tout écouté Espoir 2000. On la traite de tous les noms, mais c'est pas grave, j'adore. Bon, OK. On est tolérante. D'accord. Non, il y a de la musique, effectivement, il y a de la musique Zouglou dans la série. Toutes les chansons que vous entendez dans la série sont des musiques actuelles. Ça n'a pas du tout été composé pour, à part le générique, qui a été fait par Shadow Chris. Mm-hmm. Mais effectivement, on a Révolution. Il faudrait que je vérifie si
si on a Espoir 2000. D'accord. Mais on, voilà, on a des groupes Zouglou, mais on a aussi des artistes hip-hop, afrobeat, etc. D'accord. Et Nancy et Ben Sehan, qui sont de grands danseurs, vont peut-être nous sortir des pas de danse tout à l'heure. Non, ce n'était pas prévu, non? Non, c'est possible ou pas? Ben Sehan, il y a un souci avec? Non, ça va. Mais pardon, parfait, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Alors, Pat Sako, c'est la célébration en ce moment des 30 ans du Zouglou. En tout cas, c'est l'année de célébration. Vous faites partie du comité d'organisation. Qu'est-ce qui se prépare? Ben, cette célébration est chapeautée par la FENAS que nous avons mis en place. C'est la Fédération nationale des artistes Zouglou de Côte d'Ivoire. D'accord. C'est tellement prévisible, voilà, la signification FENAS. Et je vais vous... Est-ce que je peux demander à ce chaleureux public-là d'applaudir pour le Zouglou? C'est important. Merci. Ça fait aujourd'hui 30 ans que le Zouglou est né. Ouais. Et nous avons décidé de mettre cette célébration sous le signe de la maturité. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne va plus sur un podium pour danser, mais on réfléchit d'abord sur l'avenir de Zouglou, l'avenir de ses acteurs. Après, on monte pour danser. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Il y aura des séminaires, il y aura des conférences, il y aura plein de choses et ça sera décentralisé au niveau de Boaké, Yamsokro, Man, Korogo et tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que le Zouglou, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire? Hein? Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Un Magic System. Raison de plus. Je vais vous répondre, Magic System. En dehors de Magic System, plus en personne. En dehors, ben, je pense que le travail est en train d'être fait. D'accord. Il y a toujours, il y a un début à tout. Depuis 30 ans, ok. Oui, bon, depuis 30 ans, ce n'est pas facile. Ben, il y en a qui ont 50 ans aujourd'hui, qui ne sont pas encore là. Mais je pense qu'on se bat pour ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez justement tous ces jeunes qui ont carrément une ou deux générations de moins que vous chanter vos chansons? Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce qu'à travers ces chansons-là, je pense qu'il y a un message qui est distillé. Vous pouvez rencontrer des gens qui vous disent « Ah, moi, j'avais arrêté d'aller à l'école. Après cette chanson, j'ai décidé de repartir à l'école. » Ça fait... C'est gratifiant. C'est gratifiant. Alors, Pat Sako, Espoir 2000, plus généralement, tourne beaucoup, notamment dans la sous-région. C'est quoi le secret, en fait? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes Zouglou qui tournent. On sait que... J'ai failli dire que c'est que 6 albums. Et d'ailleurs, le dernier en date, il date de 2014. Mais Pat Sako est constamment sollicité, tantôt au Bénin, tantôt au Cameroun, tantôt au Burkina. C'est quoi? Les gens sont nostalgiques ou qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a d'abord le fait qu'on ait beaucoup de chansons en français. Ça fait qu'on peut se retrouver au Sénégal. D'accord. On peut se retrouver au Mali. Il ne faut pas chanter que dans le patois ivoirien. D'accord. Donc, il y a beaucoup de chansons qui sont faites en français. Ça fait que... Puis bon, on chante le quotidien de l'Africain. Ça fait qu'on est beaucoup sollicité, en fait. D'accord. Je dois avouer qu'il y a une chose qui a quand même fait connaître Abidjan, la destination Abidjan, même si elle était connue auparavant, c'est évidemment la chanson Abidjan Faro. C'est un tube qui est une véritable fierté, en tout cas pour les Abidjanais. Pierre. Ouais. Alors, est-ce que vous avez eu, à un moment donné, de notre ère musicale, peur pour l'avenir du Zouglou, quand on a vu déferler la grande vague, couper, décaler? Est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, on est cuit, on ne va plus nous écouter? La question qui fâche. Le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Il peut y avoir des musiques. Moi, je trouve que le couper, décaler, c'est bon. Tout ce qu'on fait, c'est bon pour la musique ivoirienne. Mais que le Zouglou, à un moment donné, non, je ne crois pas. On a eu le Mapoka. Aujourd'hui, on a le coupé décalé. Ouais. Les musiques viennent, elles vont. Ouais. Le Zouglou est là. Alors, on a reçu des artistes coupés décalés cette semaine qui nous disaient qu'il y avait des problèmes de collaboration, d'incitation, de cohésion, des problèmes pour travailler ensemble. Est-ce que c'est le cas dans le Zouglou? Est-ce qu'on doit s'attendre à voir de nouvelles collaborations qui arrivent? Comment ça se passe, en fait, entre vous? Ben, à notre niveau, on n'a pratiquement pas de problème. Vous avez pu remarquer qu'en matière de Zouglou, il n'y a pas de clash. Donc, c'est l'entente parfaite. Disons que les clashs, c'est off-record. C'est jamais... je confirme. Hein. On se fait les selfies en public, mais... Dans ce sens, il n'y a pas de problème. On a souvent certaines collaborations. C'est vrai que ça ne se fait pas très souvent, mais je pense que dans les années à venir, ça va se faire. Alors moi, je rappelais encore à d'autres personnes qui sont passées avant vous, je n'ai jamais été un grand...
grand fan de Zouglou. Je peux entendre la musique, je l'apprécie, mais je ne l'écoute pas au quotidien. Et c'est vrai qu'on a une nouvelle génération, sans vous offenser, qui apporte de nouvelles choses très intéressantes. Quel regard vous avez sur ces jeunes-là? Ben c'est à encourager. Ouais. C'est à encourager. Heureusement qu'ils ne sont pas en marge de tout ce que nous faisons. On travaille avec eux. Ils viennent nous voir, ils prennent conseil. Et on les encourage. On les encourage dans ce sens-là. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Est-ce qu'il y a des textes sur la sensibilisation, sur le VIH, sur le sida d'Espoir 2000 ? Oui, mais ça, c'était un peu dans les débuts. Hein. Mm-hmm. C'était un peu dans les débuts, sur le premier album. D'accord. Oui, parce qu'on reçoit en fait la team de MTV Shuga Babi, dont l'essence d'ailleurs de la production, c'est évidemment sensibiliser les jeunes sur le danger que constitue donc le sida, mais aussi les inciter donc à des comportements responsables. Il vous arrive parfois de faire intervenir des guest stars ou pas dans le projet MTV Shuga? Oui, tout à fait. D'ailleurs, toutes les saisons. Sur cette saison, une, c'est Safarel Lobian. Et on a aussi Nash. On a également Bamba Bissara qui apparaissent en tant qu'eux-mêmes dans la série, effectivement. Et donc, vous dansez aussi les pas de danse là, de Safarel Lobian? Oui. Ah bon? Oui. C'est pas trop rude? Non, ça va. Après, on a eu des répétitions et des trucs, voilà. Tchin tchin et tout, là, Nancy, non? Oui. Oui, oui. D'accord. Je suis ivoirienne, donc je danse du coupé décalé. Oui, mais là, c'est pas du... Ça, c'est du coupé décalé exposant 3. Exposant 3. Oui, là, on est au niveau du casse-casse, là. Là, c'est même plus... Là, ça part dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui est prévu justement pour ces 30 ans, vu vous qui êtes le... On en parlait, on vous a interrompu, pas de saco. On va essayer pour cette célébration de se rapprocher des étudiants, puisque c'est une danse qui est estudiantine, qui est née à l'université. Mm-hmm. Ça va se faire au niveau du stade de l'université, à Cocody. Ça sera sur plusieurs jours. On aura des expositions, on a eu des ouvrages sur le Zouglou. Mm-hmm. Il y a plusieurs étudiants qui ont soutenu avec le Zouglou. On a des lignes de vêtements. Donc, il y a le volet scientifique, hein, carrément. Voilà. Il y a des lignes de vêtements, il y a plein de choses. On aura toute une exposition qui sera en place. OK. Et puis, après, ça sera le côté festif. D'accord. Après tout ce qui est séminaire, conférence et tout. D'accord. Il y a des agents de la SACEM qui viendront nous édifier un peu sur beaucoup de choses. Les questions de droit d'auteur, voilà, droit voisin. Droit d'auteur et tout. D'accord. Voilà. Et le site qui doit accueillir cette célébration est connu ou pas? C'est le campus de Cocody. D'accord. Pourquoi on a tendance à limiter le Zouglou à Abidjan et sa banlieue, alors qu'il y a 363 km2. Voilà. 322 463 km2. On aura Yamsokro, on aura Boaké, on aura Mans et Korogo. D'accord, ok. Pour le volet festif ou pour le volet éducation? Non, pour le volet éducation, le volet scientifique, ça sera au niveau d'Abidjan. D'accord. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez songé à faire appel notamment à ceux que vous appelez communément les doyas, les doyens du Zouglou. Bien sûr. Ceux qui sont les initiateurs. Youfazer, Alan B. Youfazer, Joe Christie, Opokunti, Billy Didier, toute la clique sera là. D'accord, toute la clique. Ouais, et puis bien sûr, on va décorer tous ces doyas-là. D'accord. On va récompenser les gens, on va les encourager à continuer. Est-ce que le ministère de la Culture est impliqué? Oui, bien sûr. D'accord, parce que je sais que parfois, ce n'est pas le parfait amour. Enfin, ouais. Ça dépend pas de ça quoi, des ambitions au Bulida. Donc, Bulida, ministère de la Culture, Ça, c'est à côté d'être. Ça, c'est à côté. Hein. Voilà, c'est comme la fameuse solidarité entre les groupes Zouglou, quoi. Voilà. Off camera. C'est pas... Vous avez une chanson qui s'appelle Le Bilan. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan, êtes-vous satisfait? Ben oui, parce qu'on a quand même apporté un certain message au niveau de la musique ivoirienne. Bon, aujourd'hui, les gens nous reconnaissent ça, c'est assez gratifiant. Et puis bon, quand on parle de bilan aujourd'hui, je pense que à mi-parcours, on peut dire que ça va. Voilà, on peut dire ça va. C'est pas que c'est bon, mais ça va. D'accord, on a déjà posé la question du bilan à Paola. Et bon, elle dit qu'il est trop tôt pour se prononcer, il n'y a que 2 mois seulement et tout. Mm-hmm. C'est quoi le next step, le prochain épisode, ce sera... Enfin, pas épisode, la prochaine saison. La prochaine saison, ce sera, on l'espère, cette année, fin d'année. Donc là, on est en train de commencer la préparation de la deuxième saison. Donc, comme je disais, c'est énormément de travail en amont. Mm-hmm. Donc, on a des équipes qui vont arriver depuis le siège. Ça sera à Abidjan, la pour la prochaine saison, Abidjan. Toujours, tout sera toujours tourné à Abidjan et en Côte d'Ivoire, comme la première. On a tourné à Abidjan, on a tourné à Bassam. Okay. Voilà, donc
on tient toujours à faire les choses localement. Donc pareil, ce sera la même chose. Avec les mêmes acteurs. Il y aura une bonne partie du casting de la première saison, mais bien évidemment, il faut pimenter un peu les choses. Donc il risque d'avoir aussi des nouveaux visages dans la deuxième saison. D'accord. Voilà. C'est tellement bien trouvé, pimenté. Rapport sexuel. Bon. Oh. Découverte de Pierre, on parle de quoi ce soir, Pierre? Alors aujourd'hui, on parle d'éducation et on parle de l'école supérieure de journalisme de Lille qui va ouvrir une antenne à Abidjan qui va donner accès à un diplôme international, donc niveau licence. Et donc c'est une formation en management, économie, marketing et médias. Donc on le rappelle, hein, ce diplôme est reconnu sur le plan international. Il permet la validation de 180 crédits. Donc. ECTS, donc sur 6 semestres d'études, aucune différence avec la formation proposée à Lille. Et il faut le rappeler, tout simplement, l'école supérieure de journalisme de Lille est tout simplement la meilleure école de journalisme en France, c'est une référence. Absolument. Et c'est Israël Guébo, représentant de la structure à Abidjan, qui a joué un rôle énorme dans cette avancée. Mmh. Alors, les inscriptions vont s'ouvrir en mars. Il faut compter 3 300 €, soit 2 200 000 francs pour la première année. Mmh. Et sur les deuxième et troisième années, on est sur 3 000 € pour la formation. D'accord. Donc voilà. Tous les amateurs de journalisme qui ont envie de se former, je vous invite parce que École supérieure de journalisme de Lille, c'est vraiment du solide. Qui a envie de bien se former. Je propose qu'on marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière. N'oublie pas, tout à l'heure, sur la scène de la télé d'ici, Pat Sako sera live. 2 prestations en coup sur coup, en back-to-back. À toutes. Télévivez tous les talents de la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de la team de MTV, Chouga Babi et de Pat Sako, lead vocal du groupe Espoir 2000, avec qui, évidemment, on discute notamment du parcours, de la carrière d'Espoir 2000. On sait que le prochain album sera bientôt disponible. On ne sait pas à quelle date. Il est fin prêt. Ah, il est fin prêt, d'accord. Ouais. OK, bon, d'accord. Merci pour le scoop. Il va s'appeler comment, cet album? Non, pour l'instant... Moi, tu sais, le titre est en stand-by. Oui, mais si la prochaine fois, on ne vous invite pas, quoi. Non. Si on n'a pas le scoop. Ça, c'est clair. Enfin, je prends les téléspectateurs à témoin. S'ils ne nous donnent pas le nom de l'album, on ne recevra plus Pat Sako. Non, on peut le dire. Oui, mais dites-le. Après, on peut le changer. Oui, dites-le et puis vous changez après. On va travailler là-dessus. Il y aura combien de titres? On a une idée ou pas pour cet album? Ça s'appelle Tableau Blanc. Tableau Blanc? Ouais. Tableau Blanc. Généralement, le tableau, il est noir. D'accord. Le tableau, il est noir. Oui, voilà. C'est clair que vous n'utilisez pas de craie pour écrire sur ce tableau. Non, non, non. Donc, ça sera forcément un marqueur de couleur. D'accord. Combien de titres sur ce tableau blanc? 12 titres. Ouais. D'accord. On va aller sur quelle tendance? On reste sur le zouglou à l'état pur? Oui, bien sûr. Tel qu'on l'a toujours connu? Sûr, ou est-ce qu'on... des férus du zouglou. D'accord. Et il aura quelques collaborations. D'accord. Avec la nouvelle génération ou le Doya? Ou la génération intermédiaire? Ça va se passer à l'extérieur. OK. Voilà. D'accord. Et puis, au niveau d'ici, on n'aura pas de collaboration, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi bien sûr? Il ne le mérite pas? Je pense qu'il faut passer un peu à un stade supérieur. Donc, ah, parce que les artistes ici sont à un stade inférieur. Mais il faut avancer, en fait. Attention. D'accord. Donc, avec les artistes ici, on recule. On a déjà eu des collaborations ici. Il faut avoir des collaborations avec. Ça, c'est ce qu'on appelle un jeu d'équilibriste. En fait, le mec, il a réalisé qu'il s'est complètement planté, là. Il essaie d'ajuster les choses. Voilà. Et on ne coupera rien, quoi, en plus. Ça va passer tel quel, quoi. Pour info. C'est quoi le kiff du web, princesse, ce soir? Alors, j'ai une question pour vous tous et vous me direz après le kiff du web. Est-ce que ce que l'on va voir, c'est un amoureux de la prison ou un prisonnier de l'amour? Et je vous laisse découvrir ça en images. Alors, à mon avis, ce n'est ni un amoureux de la prison, ni un prisonnier de l'amour. Il n'aime pas sa femme. Il n'y a pas d'autre réponse. Merci pour être aussi pragmatique. Alors, vous qui êtes des acteurs, vous arriverez à faire ça ou pas? C'est une grosse perf, hein? Oui. Si tu détestes la personne. Oui. Non, mais il est fort, le gars. Il est... Le gardien de prison n'en revenait pas, en fait. Il est resté stoïque. Il est trop fort. Puis il connaît tellement sa femme, elle revient, fait... Le mec, il pouvait genre rester en prison que d'accord. Là, on su... Vivre encore une fois qu'il a vécu avec elle, quoi. C'est ça. Nancy, quand vous devez jouer un rôle qui n'a pas du tout votre profil, vous faites comment? C'est pas du tout Nancy, voilà. On vous demande, je sais pas moi, de jouer le rôle d'une mégère ou... Comment vous arrivez à incarner ça? Vous pensez... Qu'est-ce que vous mettez dans la tête? Parce que c'est un dédoublement de personnalité. De l'actu du scénario, maîtrise de la biographie du personnage. Mm-hmm. Et voilà, je me prépare
psychologiquement. C'est-à-dire, j'essaie de rentrer dans le personnage, oui. me dis si j'étais elle, oui. voilà ce que j'aurais fait, voilà ce que je refais. D'accord. J'ajoute un petit peu de moi. Bon, je vais simplifier ma question. Ok. La même question que on a posée à la réalisatrice qu'on a reçue, et dont Kadi Touré. Kadi Touré. Imaginons qu'il y a une scène où vous devez pleurer à chaudes larmes. Comment vous faites? Vous pensez à quoi? À la disparition de Ned Cher ou comment ça se passe sur ça? C'est ce qu'on nous apprend, mais ça ne marche pas faussement. Oui, mais c'est quoi le Donc secret moi, de Nancy? Enfin, waouh. Bon, il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. Ben Sehan, moi, je pleure rarement. Pour si. Pleurer, on fait quoi? Bon. Il y a un bouton qu'on appuie, il y a, bah, y a un bouton, mais on essaie de rentrer un peu. On ne peut pas mettre notre vie privée, au fait, dans ce qu'on est en train de faire. Oui. On essaie de prendre juste une partie. D'accord. Voilà, pour bon. Pouvoir... D'accord, très bien. Je retiens que je n'ai pas du tout ma réponse. C'est pas grave. On n'a jamais la réponse à tout ce qu'on veut. C'est comme Pat Sako tout à l'heure, bon. Qui enchaînait des pirouettes pour justifier le fait qu'il bon, va faire des feats à l'étranger. Je propose qu'on marque une pause. Le live de Pat Sako, juste après. De retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage consacré donc au volet artistique. Merci à Paola, Audrey de MTV Soukababi. Merci et bon vent surtout pour merci. Cette initiative. Merci à Ben Sehan, merci. Qui a coupé les cheveux juste après la production. Merci à Francie Nancy. Merci d'être passé par la télé d'ici. Francie merci. Nancy, c'est ça? Ouais. France Nancy. France Nancy, d'accord. Sorry. Ouais, France Nancy, bon, d'accord. Je dois sûrement avoir un problème avec les terminaisons I. Merci France Nancy d'être passée par la télé d'ici. Merci à Pierre, merci à Princesse, excellent week-end à vous. On n'oubliera pas évidemment de saluer la présence des étudiants de l'Université Nord-Sud de Bonhomin qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et à ma surprise personnelle, je note qu'il y a un artiste parmi, dans le contingent des étudiants de l'Université Nord-Sud, c'est MC One qu'on a reconnu, à qui d'ailleurs Rebecca va remettre un micro. Ça va, MC One? Oui, ça va. D'accord, mais c'est cool, je ne sais pas que tu continues d'aller à l'école. Ben si. D'accord, ben si. Bon, maintenant je le sais, quoi. Oui, vous savez. D'accord, oui, non, parce qu'on a reçu Suspect 95 qui lui a mis un terme à ses études. Il dit non, non, je préfère aller chanter. Ben, il y a plein qui le font parce que continuer, c'est fatigant, mais ouais. Bon, faut avoir le courage de le faire et puis bon, ça passe. J'imagine que tu as le courage, tu ne penses pas que tu seras fatigué à un moment donné? Ben si, c'est pourquoi je fais les deux, la musique, les études. Un forcé, à un moment, il y a. Un truc qui va foirer et l'autre qui va me propulser. Il okay. faut se donner tous les moyens pour réussir. Il y en a un qui va foirer. Bon, je ne sais pas. Ok, c'est quoi ta filière? Bah, je suis en première année de RHCOM. Ressources humaines et communication. Vous imaginez donc un rappeur en train de gérer les ressources humaines dans une société. Alors, lui, il n'a pas bossé aujourd'hui. Donc, ça fait deux jours sur le mois. Donc, on vous fait une ponction de 12 556 francs. Ça ne marche pas, hein, non, hip-hop et enfin, je ne sais pas trop. Voilà, ben, moi, sincèrement, je continue pas les études pour être un bureaucrate ou quoi que ce soit. Ouais. Je veux juste avoir un diplôme parce que moi, je me vois déjà artiste. D'accord. J'ai signé avec Sony France, j'ai fini mon album. Bientôt, okay. je serai commercialisé en France. Donc, d'accord. j'ai besoin d'un diplôme solide. Okay. On vient de faire une formidable découverte, le RH hip-hop. Yeah. Oh, le hip-hop RH. Alors, merci d'être venu, merci, merci. Merci à l'Université Nord-Sud. On va également saluer donc la présence de l'Institut de formation d'enseignement supérieur IFES de Yopougon, accompagné par le docteur Aristide Goli, psychologue. Merci d'être passé par la télé d'ici. Ce sera tout. On marque une pause. Excellent week-end à toutes et à tous. Right now, sur la scène de la télé d'ici, Pat Sako qui nous enchaîne. Alléluia, je t'aime. Deux titres cultissimes de l'histoire du Zouglou. À lundi, take care. Écoute plutôt ton cœur, maman. C'est vrai que Nino. On va chanter ensemble. Tellement fragile, vraiment trop sensible.
tu le croises à l'ivoire. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit, pour la simple raison qu'en lui se trouve ma lumière. Je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant, pour la simple raison qu'en lui j'ai toute mon existence. Et allez, allez, louer, louer, chanter, chanter. Oh, oh.
Chantez, chantez.